Oh, mon anniversaire, c'est en janvier. J'ai dit à mes abonnés que j'avais une Mercedes. Oui, ils vont cotiser pour te payer ça. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Pour le prochain anniversaire de Kim Akosso, la fille du général Akosso, elle réclame à son père une Mercedes la team. Qu'en pensez-vous? Sans plus tarder, je vous laisse voir la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la team. Chose en place. Oh, mon anniversaire, c'est en janvier. J'ai dit à mes abonnés que j'avais une Mercedes. Oui, ils vont cotiser pour te payer ça. Tu comptais sur qui? Sur moi encore. Maintenant, il y a un choix. Écoute, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose si tu passes ton permis. OK? Comme tu es arrivé, si tu passes ton permis, que tu as le permis, on fait une journée pour la Mercedes de Kim. OK? D'accord, papa. Les gens envoient les cadeaux pour ta Mercedes. Et puis le nombre de ce que les cadeaux ont fait, on déduit. Le reste, je paye. Mais c'est quand? En janvier, non? Si c'est en janvier, je peux payer ça facilement. Si tu as ton permis net, on t'achète ta Mercedes. Parce que tu avais la Range Rover là-bas. Tu avais la Range à Abidjan. Mais la Range d'Abidjan, je fais comment? Je vends ça en même temps, bien ça reste la voiture d'Abidjan. Ça dépend aussi de quelle Mercedes. Toi, tu as vu quelle Mercedes? C'est Mercedes blanche. Je vais t'envoyer la photo. Jusqu'à ce que tu as la photo. Mais Kimi, toi, tu es une sorcière. Les abonnés, vous parlez de ça depuis longtemps, non? T'as dit, tu as assis là, donc tu as derrière la photo, tu as derrière le plan. Et tu as demandé le prix, on a dit c'était combien? J'ai pas encore vu le prix, je vois. Là-bas, le problème. Comme Mathieu aussi sera là avec toi, donc il n'y a aucun problème. Trouvez simplement, moi, tant que vous êtes heureux, tant que vous êtes content. Je suis votre esclave, je travaille pour vous, je suis votre josseur, je suis votre boy. Audit, tu m'as amené un message, il dit mon agence liquide sur moi est finie, c'est comment? Tu as gêné. Toi, tu as les petits. Mais j'étais appelé, tu n'as pas vu l'appel? Non, j'ai pas vu. C'est maintenant que j'ai vu. Je me suis connectée. Ah. J'ai mal à la tête actuellement même. Mais là-bas, ça se passe bien. Hein? Personne ne te dérange. Non, ça se passe Les histoires qui se passent sur les réseaux, là, faut. Tu es en France, tu connais l'Europe, tu as vu un peu l'Europe, non? bien. Est-ce que c'est un pays de sauvages? Faut pas. Tu vois, non, 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 non. Concentre-toi, fais tes études. Ce qu'on te donne d'apprendre, tu apprends. Voilà, tu sais qu'en janvier, tu as encore une autre rentrée encore qui t'attend encore, qui va te prendre beaucoup la tête. Il y a Métis, par la grâce de Dieu, qui arrive. On vient de finaliser avec sa business class. Elle est névante, donc elle, toi, tu voyages aussi, elle aussi, forcément aussi. Pourquoi tu mets les choses comme ça dans sa tête? Elle m'a vu partir, Ah non. C'est des habitudes, quand vous prenez l'après, là, ça devient bizarre. C'est comme si le jour où vous ne voyez pas en business class, c'est comme si vous êtes tombé. Donc, travaillez bien à l'école. Si les moyens ne suivent pas, vous connaissez, le cocotte va ressortir. Vous allez rembourser mon argent. Ça, vous allez rembourser mon argent. veut.